Va-t-on vers une candidature unique du président ivoirien Alassane Ouattara en 2015? Le G25, une coalition de parlementaires favorable à la seule candidature du président ivoirien, fait le tour des principaux partis politiques membres du RHDP, la coalition qui a porté Alassane Ouattara au pouvoir en 2010 pour faire part de sa volonté. Après le rassemblement des Républicains, le groupe des 25 parlementaires issus des différentes formations politiques de l'Assemblée nationale s'est rendu vendredi au siège du MFA, le mouvement des forces d'avenir, pour obtenir son soutien. Le RHDP, constitué à Paris, a donné une seconde chance à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous voyons tous les grands travaux entrepris par le président de la République. Tout le pays entier est en chantier. Et donc nous disons qu'il faut transformer l'essai. Nous invitons donc les dirigeants des partis formant le RHDP à donc réaliser la candidature unique autour du porteur donc, de ce développement. Le MFA, le parti d'Innocent Anaki Kobinan, membre fondateur du RHDP, a semblé prêter une oreille attentive au G25. Ma réaction, elle est favorable, puisque le MFA, le président du MFA depuis 2005, était celui lors de la signature de la plateforme des Oufotis, avait proclamé la candidature unique en son temps. Si aujourd'hui, après, je peux dire, 8 ans après ou 10 ans après, il y a une volonté de consensus qui se dégage pour une candidature unique, pour prôner une candidature unique, le MFA ne peut que saluer son idée. À 2 ans de la présidentielle ivoirienne, Alassane Ouattara veut certainement mettre toutes les chances de son côté, à défaut de pouvoir compter sur le PDCI, son allié lors de la présidentielle de 2010.